Ici, en Nouvelle-Calédonie, nous les Kanaks, on vit dans des tribus. Et tout ça, là, c'est la tribu à nous. C'est la tribu de Tuaoru. C'est tout au sud de la Grande Terre, à Yaté, là où la terre devient rouge. Moi, c'est Joseph. Mon nom en langue, c'est Moitei. Mais ici, tout le monde m'appelle Chocho. Mon chien, c'est Blacky. À l'arrêt de bus, je retrouve tous les jours Joka. C'est mon petit cousin. Même s'il est plus grand que moi, dans la tradition, c'est moi qui suis plus grand que lui. Parce que le père de mon père, c'est l'aîné du père de son père. Vous avez capté ou quoi? On va tous à l'école publique de Yaté. Dans la classe, on retrouve les copains des autres tribus. C'est notre façon. D'où est-ce qu'on sort? Là, tout à l'heure, Tantoko, il parlait à Nicolas. Ben, toi, tu t'appelles Kourébi Nicolas. Toi, Vincent, c'est Vincent Caro. Est-ce que vous habitez dans la même tribu? Non. Et puis, est-ce que vous faites partie de la même famille? Non, vous avez. Et comment on appelle là quand on est. On est dans les tribus, puis on fait partie d'une famille. Comment vous appelez ça? Très bien, Vincent. Là, quand Georgette, elle parlait de culture, c'est qu'à l'intérieur, on va avoir dans notre culture ici, notre culture à nous, les Kanakas. On parle de clan. De quoi on parle aussi? Dans un clan. Très bien, Nicolas. Hein, Nicolas parle. Nicolas, c'est mon cousin. On vient tous les deux de la même tribu. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mot qui vous vient dans la tête? Voilà, quand on parle de notre culture,
Voilà, Georgette, ça lui fait penser au chant. Ça fait partie de notre culture. Hein. Dans une tribu, il y a plusieurs clans. Par exemple, à Tuaoru, il y a le clan Anu, les Wecho, il y a le clan des Hati, le clan des Korevi. Et depuis toujours, chaque clan a un rôle dans la tribu. Autre chose aussi, comment se repérer dans le temps, Aldo? Là, on s'est dit, on a besoin d'un calendrier pour se repérer dans le temps. On a besoin d'une frise pour se repérer dans le temps. Oui, Joseph, c'est très bien ce que tu dis. Je peux te demander de venir ici là devant au tableau? Vous savez qu'ici en Nouvelle-Calédonie, la fête de l'igname commence toujours par ici, à Yaté. Pourquoi d'après vous? Mais on écoute Joseph. Quand on porte les igname, et puis après, quand les balles aussi, bah après c'est là que tu dis qu'il y a les igname. Alors, je reviens à ce que disait Joseph tout à l'heure. Donc voilà, pour se repérer dans le temps aussi, ben ici à Yaté, il se repère par rapport à la baleine. Par rapport à la baleine, on se repère. On se dit que voilà, l'igname, elle est bonne à manger. Voici mes parents, ma mère, Lorna, et mon père, André John Wecho. Et lui, c'est Antoine, mon petit frère. Mon père, il est archéologue. Il cherche notre histoire dans la terre. Il n'est pas souvent ici avec nous. Il travaille dans toute la Calédonie, mais aussi dans le Pacifique. L'année dernière, il est même parti à Samoa. Joseph! 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 Joe, dépêche! Allez. Pose au bout du premier. Couteau piqué où le moment quoi? Chez nous les Kanaks, avoir son champ et cultiver l'igname, c'est très important. Mon père, il me dit souvent que l'on a toujours vécu en harmonie avec les éléments. On doit respecter la nature. On vit avec elle. Non. Voilà. Ok, allez. Le pied, là, le, ici, là, il y a un coup, pour le voir. Voilà. Vous voyez bien comme un pied. Voilà, c'est bon. Allez, tu. Aujourd'hui, avec mon père, on plante les ignames. Voilà. Une dame, bien dame. Voilà. Voilà, je vais. Pose, ça m'a pris. Faut enlever ça, là, parce que après, ça va. Allez, pose. C'est bon. Voilà. Allez. Tu. Bien tiré. Voyons. C'est bon. C'est bon. Quand les baleines repasseront au large de la tribu, ce sera le moment de les récolter. Voilà. Et c'est le dernier. Allez. Au Calédonien, notre pays. Il y a combien, t'as planté combien, hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Thank you.
Elle m'aime. Ta copine, elle va te faire expliquer, tu vas faire quoi? Tu vas rester comme ça. Ça. Ta copine, comment tu vas faire pour la défendre? Pousse. Je vous présente Tarissi. C'est ma grande sœur. Elle est au lycée à Nouméa. C'est la capitale de la Calédonie. C'est à 1h30 par la route, mais nous, ça nous semble être à des milliers de kilomètres. Ah oui, tu as mis que ta main. Dachon. Oui. Ah ouais, Tani. Quoi à part mal. Paloulou, c'est mon oncle, le père de Djoka. Il aime bien nous raconter les histoires de l'Ilanou. Vous connaissez l'histoire de la voleuse d'Inyam? C'est l'histoire d'une dame sur l'île de Marée qui allait, la nuit, voler les ignames dans les champs des autres pour nourrir ses enfants. De fil en aiguille et d'année en année, les gens s'en sont aperçus. Du coup, ils ont fait un conseil de tribu et elle est passée en jugement. À la fin, ils lui ont dit « Tu vas être puni. Ton sort va être de partir de l'île de Marée et d'arriver dans la forêt avant que le soleil se lève. Sinon, tu seras transformé en caillou. » La dame est partie à la nage avec ses 7 enfants, en direction de la Grande Terre. Et, avec le courant, ils ont dérivé jusqu'à Yaté. En arrivant, ils ont grimpé sur le récif, mais il était trop tard. Les premiers rayons du soleil étaient déjà apparus, et elle s'est transformée en caillou. Oui. Allez, allez, mais, on ne sait pas, mon bonnet, tu Allez, à mon je vais Paloulou, c'est comme le gardien de la culture à nous. Il fait de la musique et il a même un groupe de danse traditionnelle qui est déjà passé à la télé. Il a même fait des tournées dans le Pacifique. En fait, c'est un artiste. Bon, tu m'as tenu. Vous allez voir. Quand Paloulou tape la cadence. Tamé. Tchou.
maman. La grand-mère de Nicolas, elle s'est cassé le bras en montant sur un cocotier. On va l'aider à préparer le repas. Elle va nous faire bougna, le plat traditionnel des Kanaks. Allez, à l'attaque. Ouais, moi je vois le bouton. Ouais, laisse-moi claquer, tranquille, à côté de moi. Mets dans l'assiette. Tiens, pour l'assiette. Hé, hey, mais Manu. Mets dans. Attends. C'est comme ça. Ouais, Barbou, quand tu vas. Barbou, quand tu vas. Quand tu vas manger, tu vas sentir le jus de cocoté. Mais attends, je mets quoi, t'as dit? Moi, je sens le boulot. J'ai déjà pris un boulot. Normalement, on le fait dans un four qu'on creuse sous la terre. Mais c'est plus facile et plus rapide de le faire avec la grande marmite. Il est au four. Regarde ta mère. Lui, maintenant, c'est comment, moi, c'est lui. Ensemble, ensemble. Nous pouvons faire ensemble. Vas-y. Mais c'est mieux juste ça, l'école. Attends, tu veux des filles ou deux? Vas-y. Attends. Mais attends, rabaisse bien tes trucs. Rabaisse. Stop. Quel hôpital! Attends, j'essaie de pas enculer. T'as fait combien de fois là toi? Oh là là. Vas-y. Ici, c'est l'îlot à nous. Dans le récif et sur le platier, c'est damé de poissons. Depuis toujours, on pêche avec les lunes et ses marées. L'océan, c'est notre cantine. C'est notre garde-manger pour les poissons et coquillages. Thank you.
L'océan, chez nous, il est sacré. Faut en prendre soin. C'est notre terrain de jeu, notre petit paradis. Mon île est au milieu du Pacifique. C'est un endroit sacré et mystique. Là où résonnent des mots magiques. Ra-ou!